En tout cas, merci d'être avec nous. Les conditions, vous voyez, sont pas toujours simples. On l'a vu avec les enfants hier, il y avait effectivement aussi un petit peu d'humidité. Aujourd'hui, eh bien, on va essayer de profiter de cette journée avec ce Global Champions League à venir à 18h. Et puis avant, bien entendu, on va retrouver tous les champions. Ouais, les stars seront là dans quelques minutes, mesdames et messieurs, vont passer à quelques centimètres de vous, parmi les 50 meilleurs cavaliers internationaux, avec une partie d'entre eux d'ailleurs qui vont défendre les couleurs de leur nation. Dans moins de 30 jours maintenant, une trentaine de jours pour être tout à fait exact. 32 aujourd'hui. Voilà. J-32 pour rappel, il y a le Brésil et les Jeux Olympiques de Rio. Vous allez avoir un grand et beau moment de sport. Regardez, cette fois-ci, on est passé de quelques 40, 50 ou 60 cm à quasiment 1 mètre de plus, 1 mètre 60 pour regarder le numéro 1 déjà, où les barres sont quasiment au top de leur feu. That's right, obviously we'll be the course now, lots of things still to come. We have our five-star competition that will be once again the global semi challenge, this time presented by Emilio Harry, one of the best drivers in the world. Also our celebration for Rio, 32 days until obviously the Olympic Games in Rio, that will be at 5:30. And of course ending the day at as of 6 o'clock, our Global Champions League for the first time here in Paris. It's the 10th leg of the overall circuit of the best teams pairing up together in the competition over two rounds. And once again, as we said, don't go, stay with us all afternoon, but after that you'll be able to also watch the other sport that's going on here today in France, of course, which is the football. Voilà, soyez les bienvenus. Donc, on va laisser, si vous voulez bien, l'équipe de piste travailler pour mettre en place ce qui va constituer les obstacles qu'ils vont devoir franchir. Et après, on ira évidemment auprès de chacun d'entre eux, c'est d'avoir un petit peu l'impression, avant d'avoir le plaisir de vous retrouver, sans oublier ce rendez-vous hein, que l'on vous, en tous les cas, vante depuis le coup d'envoi de ce circuit. La Global Champions League va poser pour la première fois justement sa valise ici à Paris. Vous allez avoir le privilège d'être donc les premiers à lire les étapes parisiennes. Des 12 équipes. Monaco Aces are the team on top, following their home event last weekend. The team will field the Dutch duos, Michael van Persen and Leopold van Aston. Go on, Michael. Can Valkenswaard United overhaul the medal from Whitaker back to hell with the young star on the schedule team? Just 3 points separate the top two, Non, je l'ai publié sur YouTube. This weekend is me and Alberto Zoldi. So we'll get on tonight, we'll be on the phone, so...